yes. Bon, il y a des gens qui disent nous pas trop jouer qu'on passe sur Chanel ça. Et je dis à tout le monde qui est débutant, yo, nous allons montrer nous comment on va marcher en accompagnement et nos musiques compas. Ok? Bon, là, nous allons jouer en Do majeur. Ok? Il y a plusieurs façons de marcher. Tout dépend des vitesses, là, des tempos musique là. Il y a plusieurs façons de marcher en compas. Ok? Nous allons utiliser la première façon et trois accords qui c'est Do majeur, Fa majeur, puis Sol majeur. Ok? Ok? Nous allons avec trois accords ça, Do majeur, Do mi sol, Fa majeur, Fa la do. Et puis Sol majeur, Sol si ré. Donc on va faire un petit compas comme ça par exemple. Marchez comme ça, bien simple. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça, c'est la première façon ou capable jouer sous trois accords ça. Même ou capable toujours jouer même musique là avec trois accords ça, mais ou jouer d'une autre façon. Note Fa lui-même lui servit comme si c'est un pont lui-même qui liait accord Doa avec Sol là. Ok? Ou faire plus de temps là sous Do majeur. Et vous faites si aller sous Fa. C'est donc vous jouez seulement avec Do et puis Sol. Ok? Mais ou toujours faire Fa songer quelqu'un là. Jouez là tout. Ok? Vous faites. C'est plusieurs des façons on est en bas ou là ou capable jouer compas. Now, si vous voulez faire groove, un petit groove avec un autre son comme si vous mettez un synthétiseur par exemple et bon monsieur regardez qui sont engagés dans keyboard là et n'a baissé avec un petit son bon jeune là-dedans et let me try this. Ok, c'est toujours même accord. Ouais, ça me fait là dans main gauche là me fait, je joue sol là, do avec sol là ensemble, puis mi. Ok? Et puis me fait accord dans main droite là. Bien simple. Et me fait même bagaille là, mais sauf que dans main gauche là me fait un renversement pour Fa qui c'est do Fa là, mais c'est toujours même façon que je là. Même si je me suis dit que je suis à la main gauche là.